sapin de Noël, du sapin de Noël, du sapin de Noël, du sapin de Noël. Sucre de canne, sucre de canne, sucre de canne, sucre de canne. Bonhomme de neige, bonhomme de neige, bonhomme de neige, bonhomme de neige. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père Noël. C'est Noël, 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 c'est Noël. C'est une journée idéale pour rester en famille à la maison et ouvrir les cadeaux. Joyeux Noël, les enfants! On a frappé. C'est peut-être le Père Noël. Ce n'est pas le Père Noël, c'est votre petit cousin Bubu. Il est venu vous rendre visite avec votre tante. Génial! Vous allez pouvoir jouer tous ensemble et partager vos nouveaux cadeaux avec Bubu. Qu'est-ce que vous attendez pour lui offrir un paquet? Vous en avez plein, les enfants. Les enfants, partagez, c'est important. Pops, aide-moi à expliquer aux enfants pourquoi il est important de partager. Tu veux bien? Ce garçon est sorti sans gilet et sans manteau. Il a très très froid. Mais cet enfant-là est très couvert. Il a même chaud. Le petit garçon couvert pourrait ne pas aider celui qui a froid, mais il sait que s'il lui prête ne serait-ce qu'un ou deux vêtements, il aura toujours chaud et l'autre garçon n'aura plus froid. Partager, c'est important, parce que comme ça, aucun des deux n'aura froid. Très bien, Groovy. Je vois que tu as compris. Partager, c'est important, parce que comme ça, vous pourrez tous jouer. Maintenant à toi, Phoebe. Partage avec Bubu. Souviens-toi, Phoebe, il faut savoir partager. Phoebe, prête ton jouet à ton cousin. Il ne va pas te le casser. Oh non, faites quelque chose. Bien tenté, Goofy, mais il nous faut autre chose. Super, Goofy, ça a fonctionné. Attention, Phoebe! Le sapin! Phoebe, l'avion ne bouge pas d'un poil. Je crois que tu devrais demander de l'aide à tes amis pour le récupérer. Les amis, vous nous aidez à attraper l'avion? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour récupérer l'avion coincé dans le sapin? En grenouille? En verre d'eau ou en échelle? C'est ça! En échelle!
merveilleux. Je te félicite, Phoebe. Tu as compris pourquoi il est important de partager. Parce que ça rend les autres heureux. Les enfants, on vous souhaite un joyeux Noël. Partagez vos cadeaux et vos jouets avec votre famille et vos amis. Coucou les enfants, vous jouez avec de la pâte à modeler? Super! Vous pouvez faire un bonhomme de neige maintenant, c'est très facile. Pops a raison, on peut faire un vrai bonhomme de neige. Allons, allons, les enfants. On allait faire un bonhomme de neige. Allez, on commence. Il nous faut une grande boule de neige pour le corps. Très bien, Phoebe. Et maintenant, une boule plus petite pour la tête. Pas si petite, Groovy. Là, c'est mieux. Maintenant, il nous faut des branches pour les bras. Groovy, tu nous trouves des cailloux pour les yeux et la bouche? Et Phoebe, tu peux aller chercher une carotte pour le nez? Très bien, les enfants. Il est presque fini. Mais il manque quelque chose. C'est ça, le chapeau haut de forme. Maintenant, il est fini. Génial! Bonjour, les enfants. Ouah! Vos déguisements sont géniaux. Ils sont parfaits pour faire du patin à glace. C'est super chouette. Mince, Groovy, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que c'était, les enfants?
Regardez, c'était un petit copain qui est coincé. On doit l'aider. Phoebe, toi, tu n'as pas ce pouvoir. À moins que... Groovy, tu nous donnes un coup de main ? Très bien, les enfants, vous formez une super équipe. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. La reine Gypsy grimpe sur la gouttière. Blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Ça y est, c'est Noël. Le temps passe tellement vite, vous ne trouvez pas ? Vous avez été sage cette année ? Et vous, les enfants ?
se passe-t-il? Tu as peur des éclairs? Oh, c'est vrai! Est-ce que le Père Noël aura des ennuis pour distribuer les cadeaux par ce temps? Très joli, Phoebe. Mais je crois que tu as besoin d'aide. Maintenant, c'est vraiment Noël. Vous avez un sapin à la maison, les enfants? Regardez, une étoile pour mettre en haut du sapin. Il va être encore plus joli. Oh non, c'est le Père Noël. Que s'est-il passé? Donnez-leur une couverture et un chocolat chaud. Ils sont jolis. C'est l'étoile magique du traîneau? Les enfants, il en a besoin pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants. Bien joué, Groovy. Tu t'améliores en transformation. Pops a raison. Il ne peut pas sortir dans cet état. Il est malade. Il a besoin de repos. Non, Phoebe, c'est trop dangereux pour les enfants. Vous ne pouvez pas distribuer les cadeaux. Il fait un temps de chien. Wow, Pops! C'est un portail? Où mène-t-il? Il mène chez tous les enfants du monde. Joyeux Noël, les enfants!